voter. Attention, pas de bulletin blanc. Et ni Macron, bien entendu. Pas de bulletin blanc, vous votez, mais pas Macron, surtout pas. Hein, les gars, vous êtes d'accord? Olé. Allez, 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 merde. J'ai dit ce que je voulais dire, c'est ça qui est important. Hein? Voilà. Bon, ben maintenant, je suis à Yes, je suis à Virgolois. Je vais pas mettre ce que j'ai dans mon sac parce que je l'ai encore actionnel. Et comme Balkany, qu'est-ce qu'il y a encore? Balkany, Sarkozy, Fillon, tous des mecs, des voleurs, des menteurs. Ouais, Castaner, un menteur, on le voit là. Vous voyez ce menteur là, il est là, là. Hein, c'est le caïd de Marseille, là, vous voyez? Le ministre de l'Intérieur, vous vous rendez compte? Une saloperie. Racaille. Un racaille, oui, c'est une racaille. Et puis là, bon, bah, c'est pour donner aux pauvres, oui, parce que les riches, les aides, c'est pas des aides, c'est un dû, les gars. C'est un dû, c'est pas des aides qu'on a. C'est un dû. Hein? C'est les riches qui nous piquent tout le pognon. Ils travaillent pas, ces feignasses. Mercredi 29. Ah. Ça sera comme d'habitude à partir de 19h15, mais cette fois-ci, ce sera Sade Jean Massé. C'est coup de matraque. Les infos à suivre sur les groupes Facebook et sur le site Cité Jaune, bien sûr. Le Conseil des citoyens, 19h15, mercredi prochain 29. Sade Jean Massé. D'accord. Quelle honte. J'ai mis aider encore des milliers d'autres. Il y en a tellement. Vous pouvez pas tous les mettre, de toute façon, il y en a tellement. C'est bien, c'est bien. Ah, oui. Ça m'en a plus de travail quand même. Je t'en longtemps, on va dire, le péage. Bon, on n'est pas resté si longtemps que ça. Les gendarmes nous attendaient. Donc on a dû rester une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à tout casser. Et puis on s'amusait ensuite, on est reparti parce qu'on était menacé d'avoir chacun un petit cadeau de 135 euros. Enfin, un cadeau pour l'État, pas pour rien, vous avez compris. Donc nous sommes partis du péage et puis on est allé un petit peu plus loin dans la campagne, je peux pas vous dire où, du côté de Pelouaille en gros, pour faire bonjour aux automobilistes qui passaient dans un sens comme dans l'autre sur la 11. Ça a fait chaud au cœur puisqu'il y avait beaucoup de gens qui nous saluaient, qui klaxonnaient, qui faisaient des appels de phare. Ça fait du bien parce que une heure avant, on avait moins de morale au péage. En tout cas, si les actions reprennent de ce type-là, on serait content d'être plus nombreux pour ce genre d'action. Merci beaucoup et puis bah tout de suite. Merci. Allez, allons ralliement, en avant.
C'est ce qui ne va pas. Un sacré Macron. Dis-moi où es-tu caché. C'est plutôt intéressant et encourageant. Même les rêves se sont préfabriqués, les gens ne savent plus penser. Je viens d'un monde où tout est faux. Thank you.
monde là, c'est bien quand même. Il y a du monde, c'est bien. Bien joué.
sans aucune condition de ressources. Ils voudraient que l'on parle de pas de course. Acheter des biens de grande consommation. Au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise. Objet de toutes leurs convoitises. Leur précieux, leur cœur de cible. Du temps de cerveau disponible. Pour qu'ils chérissent tant ce cœur de cible. Ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes, sans violence. De résistance en désobéissance. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens. Depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens. Depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Pour ceux qui veulent venir à l'Assemblée citoyenne, elle aura lieu le 19 mai, donc mercredi prochain, le 29 mai, pardon, mercredi qui arrive à 19h15, 106 rue Luc des Pigeons. Encore une fois, Fred, encore une fois. Alors, la prochaine Assemblée citoyenne aura lieu le 29 mai à 19h15, 106 rue Luc des Pigeons. Excusez-moi, le 7 juin, rendez-vous à 18h30, nous voulons des coquelicots. Et autrement, j'aimerais bien voir des groupes sortir du nucléaire, là, entre le 26 et le 29 juin, Atomic Tour contre les déchets nucléaires à Bure. Et rendez-vous samedi prochain, 14h au mail. Oui, c'est mon anniversaire. Quel est votre métier? Monsieur le Président, chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure, remettre à zéro les compteurs. Quand la lutte